Bonjour tout le monde, bonjour les chasseurs, bonjour les chasseuses d'œufs. Nous voici aujourd'hui dans la deuxième bon bruit en Coliseum avec qui? Avec ma roublarde tout simplement. Ma roublarde, j'ai l'attentat de niveau 56. Alors, c'est un combat très comment dire? Très déséquilibré. Non, je rigole. Donc en gros, je suis avec un panda de niveau 84. Ouh, le panda de niveau 84 qui a mis deux schnapps! Deux schnapps, magnifique schnapps qui a one shot OS. One shot Strefferet. Strefferet qui était un yob, je crois. Mais je ne suis pas sûr du coup. Et je suis avec Fox-Rox, un yop de niveau 52. Et donc je suis contre Ultrax-Intact et Bombe Carnage. Bombe Carnage qui est un roublard. Et Ultrax-Intact qui est un crat de niveau 92. Bombe Carnage qui est quand même un roublard de niveau 84. Donc malgré tout, c'est pas... Bon, c'est peut-être équilibré parce que du coup il a tué l'autre, mais à voir, ça va être un combat intéressant. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que je dois vous présenter la Radio Licrunch. Pourquoi je dois la présenter? Parce que tout simplement, je suis très fier de vous dire que Ultrax tire Intact, donc c'est vraiment un pur hasard, et le concepteur, le fondateur de la Radio Licrunch, et c'est celui aussi qui m'a proposé de faire mon site internet pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, je suis assez content, on va dire, que qui va faire un site tout simplement pour ma chaîne. Donc du coup, voilà, j'en parle. Alors, il faut savoir que cette radio est pas encore à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des très bonnes musiques qui passent. Et en plus de ça, il y a des animateurs. Oh, il m'a fait mal! Ah, la saleté! La saleté! La saleté! Comment je vais faire? Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Blablabla, blablabla, blablabla. Alors, regardez ce magnifique combo! Hop là! Non, je ne peux pas! Oh l'échec! J'ai pas vu que j'avais perdu. Oh, j'ai pas compté mes PM, excusez-moi. Waouh, c'est chaud, chaud de night. Qu'est-ce que je fais? Je fais absolument n'importe quoi. Je suis trop concentré sur autre chose. Ouh là là! Je fais absolument n'importe quoi. Bon, tant pis. Donc je disais la radio Licrunch, c'est pas grave si on perd. Du moins si c'est un peu grave quand même, mais bon. Donc la radio Licrunch, qui est une radio qui fait des événements avec des animateurs, on peut gagner des kiamas, on peut gagner des stuff, et en plus de ça, on est dans une allure très conviviale. À la taverne d'Astrum tout simplement. Donc je vais vous montrer leur site. Bon, c'est pas le site définitif, ils ont fait un site en .fr qui est beaucoup plus beau que ça. Et donc voilà leur site internet où vous pouvez écouter la radio. Et j'en profite donc pour en parler. Je vais avoir donc un nouveau site qui sera dans pas longtemps, normalement dans un petit mois. Ouh, excusez-moi, mais il fait vraiment mal ce panda. Je suis très content qu'il soit dans mon équipe. Ah, mais lui aussi, il fait mal. Ultrax tire Intact. Le fondateur de la guilde Ricouche m'a détruit. Il m'a déboîte. Je me suis fait complètement déboîte. Bon, bah, ça sera. Du coup, je vais pouvoir commenter très bien. C'est cool. Sans avoir de problème. Ah, désolé, hein, du coup, il n'y aura pas beaucoup de gameplay sur cette vidéo. Je vous rassure, normalement, j'ai quand même joué. Donc voilà, je vous montrerai peut-être gameplay en Vincent au pire. Bon, alors, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis vraiment très content, merci à vous de me suivre. Ça fait déjà une centaine d'abonnés. C'est vraiment pour moi un honneur. Je suis vraiment, vraiment content, donc c'est super. Merci à vous. Faites en sorte qu'on soit encore plus pour que je sois encore plus motivé à faire des bonnes vidéos. Parce que comme vous avez remarqué, je suppose, je fais pas trop de vidéos. Moi j'en fais toujours régulièrement, mais un petit peu moins que ce que j'avais prévu. Parce que malheureusement, si je veux faire des bonnes vidéos, il faut bien entendu que les bonnes vidéos prennent du temps, tout simplement. Donc voilà. C'est juste ça, quoi. Et donc,
Et donc, je dois vous demander si vous connaissez un AnyPVP Triachel bon, dans n'importe quel serveur du coup, parce que je cherche à faire un tuto PVP pour toutes les races, et au niveau des ennemis dans League Crunch, c'est un peu la galère. Donc, si vous avez un ennemi à me conseiller ou autre, ça serait vraiment bien. Donc voilà. Et normalement, c'est tout, je n'ai rien à dire. Alors, le Yop, Yop Foxrock qui va. Oh là là, il aurait pas dû faire ça. Il s'est trop rapproché des bombes. Oh là là, Foxrock, c'est mort. Comment va faire Shiro Shaku pour gagner ce combat? Comment il va faire? Je crois que ça va plus être possible pour lui. Hein. Je crois que ça va plus être possible. Et cette saleté de Ultra Xyntac qui dit bien joué parce qu'il est content d'avoir gagné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, eh ben j'espère que Shiro arrivera quand même à faire quelque chose de très bien et nous montrer le gameplay des pandas bas niveau. Parce que quand même, c'est plutôt bien. Ah oui, cette fameuse technique du picole. Alors là, je vais vous expliquer en gros pourquoi il fait ça. Tout simplement parce que son schnapps tape comme une espingole. Donc, bon, là je peux pas le montrer, mais ça tape en gros sur une diagonale comme celle-ci. Donc, du coup, mieux, plus il est dans une diagonale, et plus il peut taper sur les autres. Bon, là par contre, malheureusement, je crois que ça va être fini pour nous. Hein. On va perdre ce colisée. Hein. Mais au moins, vous aurez appris les news de ma chaîne YouTube, ça sera un Coliseum assez rapide. Je pense que je vais rajouter une petite vidéo one one de ma roublarde en accéléré. Comme ça, vous pourrez du coup regarder. Ça pourrait être plutôt intéressant. Alors, que va nous faire le roublard? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va attirer le panda. Attirer le panda et peut-être le pousser ici. Pas quelle serait l'utilité. Pourquoi fait-il ça? Comment on va jouer Shiro Shaku qui joue pas mal. Est-ce qu'il peut faire non, bonus de PM non. Pourquoi il ne s'est pas mis dans l'alignement? Oh, il l'a voulu éviter. Et voilà. Ultra Xanta qui tape du coup. Et ça va être la fin. Bombe Carnage qui va finir. Donc c'est une petite vidéo vraiment. C'était pour la radio League Crunch. Pour parler de ma chaîne plus vite que ça. Pour parler de ma chaîne et voilà. Donc rien d'autre à dire. Bien joué à eux. Ça a été un combat expédié en 8 minutes. Du coup c'est pour ça que je fais des Coliseums avec la Roublarde. Parce que c'est des vidéos plus rapide, donc c'est plus intéressant à regarder entre autres. Là c'est j'ai pas pris la meilleure vidéo en termes de gameplay, mais c'était vraiment pour présenter la radio League Crunch que j'aime bien. Et donc voilà, j'en mettrai d'autres des vidéos comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook et de mettre un petit j'aime. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, merci tout le monde. Allez, ciao ciao.